Notre monde. L'entrée de la chambre est par là. Venez. La chambre est en ruine! Elle ne résistera plus très longtemps! Vous avez bien agi, mortel. Il est temps. Nous devons rassembler nos forces. Rentrez chez vous, enfants d'Azeroth! Illidan, notre mission s'arrête là. Chaque choix, chaque sacrifice m'a conduit jusqu'à cet instant. Je vais l'affronter une fois de plus. Vous ne comptez pas repartir? Ma traque touche enfin à son terme. N'est-ce pas là le destin que vous aviez vu, prophète? Le destin? Notre survie n'a jamais été le fruit du destin. Que la lumière soit avec vous. Illidan hurle l'orage. Notre monde a besoin de nous. Azeroth vous appelle. Elle a un cadeau pour vous. Né de son essence. Il s'agit de son cœur, du cœur d'Azeroth. Imprégnez cette amulette de puissance. Ce pourrait être le seul moyen de la sauver. Azeroth, pleure! Votre sceau de cette salle protège l'âme du monde. Mais avec toute cette Azerite qui jaillit, il est sur le point de se briser. Utilisez l'amulette pour absorber l'Azerite. Devrait réparer le sceau de la chambre.
continuez comme ça, on touche au but. Notre monde a besoin de nous. N'oubliez pas votre gardez cette amulette près de votre cœur. Elle vous aidera aux heures les plus sombres. Il faut que je trouve un moyen de soigner les blessures d'Azeroth. L'amulette me permettra de vous contacter en cas de besoin. Je suis peut-être son porte-parole, mais vous êtes son héros, et vous devez vous battre pour elle. En attendant, à vous d'agir. Utilisez la plateforme de téléportation pour retourner auprès de vos alliés. Bonne chance, on en aura tous besoin. Destin nous sourit aujourd'hui. Héros, le conseil de guerre la lumière soit apprécié. Votre présence est requise au donjon de Lurevant. Les agents de la Horde se sont récemment introduits dans la prison et ont libéré deux prisonniers Andalari. Une princesse et un prophète. J'en ai été informé. Et les 8 navires de guerre que nous avions envoyés. Un seul est revenu. Les survivants rapportent avoir affronté une magie étrange et terrifiante. Ainsi qu'une gigantesque flotte Andalari. Impossible! C'est l'un des tours de Sylvanas! Il ne peut en être autrement. Jaina, peut-être pourriez-vous nous aider à voir ce dont a été témoin notre ami. C'est un sort assez simple, tant que le sujet coopère. Montrez-nous. Visualisez ce qui s'est passé. Salutations. Hurlevent vous accueillera toujours à bras ouverts. Horde s'associe aux Andalari, nous ne serons pas assez puissants pour les arrêter. La lumière nous donnera la victoire.
Héros, rejoignez-moi au port quand vous souhaiterez partir. La lumière soit avec vous. Alors, Jen, prêt à partir en mer ? Que peut faire la fille du vent salé pour vous aider ? Une longue route nous attend. L'Alliance survivra. Espérons tout se passe bien. Halte ! Quel est l'objet de votre visite ? Je suis Jaina Port-Vaillant. Je souhaite obtenir une audience avec l'amiral suprême, Catherine Port-Vaillant, ma mère. Nous allons vous conduire auprès de Catherine. Vous répondrez de vos crimes envers Kul Tiras devant elle. Qu'il en soit ainsi. Place ! Nous détenons une dangereuse prisonnière ! Je vois que la garde est toujours aussi disciplinée. Elle faisait la fierté de mon père. Maintenant, elle me traite comme une criminelle. Maman, c'est qui cette dame ? Viens, on rentre. Dépêche-toi. Je suppose que je le mérite. Éloignez les civils ! Formez un périmètre de sécurité ! C'est la fille du vent salé. Dame Jaina, c'est vraiment elle ? Elle est venue nous achever. Assassin ! Traîtresse ! Je suis prête à affronter mon sort. Pour l'Alliance. Ainsi, ma fille est de retour parmi ceux qu'elle a trahis. Pourquoi ? Je suis venue solliciter votre aide, au nom de l'Alliance. L'Alliance ? Ha ! Où était-elle quand nous avions besoin d'elle ? Quand nos maris, nos fils et nos frères ont été massacrés à Terramor ? N'imputez pas à l'Alliance les fautes que j'ai commises. Alors vous l'admettez ? Vous avouez être responsable de la mort de nos hommes ? Oui. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir les blessures de Kul Tiras. Catherine, faites appliquer la loi. La trahison est punie de mort. Es-tu prête à accepter le jugement de ta patrie ? Je m'en remets à votre jugement, mère. Tu n'es plus ma fille depuis longtemps. Faites comme bon vous semble. Elle n'est rien pour moi. Thank you.
Wagneuf. Les regrets, ça ne sert à rien. Bon, voilà le plan. Frappez-moi. Allez, frappez-moi. Aïe! Mais ça fait mal! Garde! Garde! Au secours! Oh. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Vite, actionnez ce levier! C'est l'heure de la mutinerie, les gars! Qu'est-ce que... Prenez votre équipement et allons rendre visite au gardien de ce quartier. On aura besoin de ses clés. Vous avez soif, parce que moi... Oh, les clés sont foutues. Ça, c'était de l'explosion. Qu'est-ce que c'est que cette poudre ? Encore une chose. Deux, même. Ah, je préfère ça. Je me sens détruit sans elle. Allons-y. On peut peut-être exploser la serrure. Verser un peu de poudre dessus. Et maintenant, la petite étincelle. Vous devriez reculer. Ah. C'est du brutal! Descendons dans les niveaux inférieurs et tâchons de trouver une sortie. Oh, mais ça renarde comme un hamac de flibustier galeux! On doit d'abord choisir une cible. Quelque chose a frôlé ma jambe! Attendez! Non, en fait, c'était juste mon autre jambe. Tout va bien. Oula! On bouge plus! Qu'est-ce que... Non! J'en ai officiellement fini avec ce trou à rats. Venez, un bateau devrait nous attendre sur la plage. Flynn, par ici! Que s'est-il passé là-dedans? Tu as provoqué une émeute? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais j'ai des infos compromettantes sur Corsandre. Une nouvelle poudre à canon. Bien le bonjour. Comme je n'en ai jamais vu. Oh! Et j'ai secouru la cible, bien entendu. Camarade de cellule, Taïlia, Taïlia, camarade de cellule. Attendez, je vous connais, vous. Vous étiez avec Jaina Port-Vaillant. Vous êtes l'émissaire de l'Alliance ? Émissaire de l'Alliance ? Cyrus ne l'avait pas dit, ça. Je lui aurais fait payer le double. Estime-toi heureux qu'il te paye. Maintenant, rame. Nous y voilà, le port de Boralus. Il s'agit de l'endroit le mieux gardé de la ville, après le donjon Port-Vaillant. Et c'est aussi le seul endroit auquel la plupart des visiteurs ont accès. Un autre navire de l'Alliance est déjà à quai. J'espère que ses passagers ont reçu meilleur accueil que Jaina. Merci pour la course. Quelle est la situation ? Je vais faire mon rapport au vieux. Servez avec honneur. Ne pensez plus à votre évasion. Ce marché a bon de voyageurs, comme vous. Venez, je vais vous faire visiter. Ce
Ce bac fait la navette dans toute la rade. Une autorisation du bureau du maître du port est nécessaire pour l'emprunter, mais ça ne sera pas un souci. La salle des dépôts est sous haute surveillance, de jour comme de nuit. Comment d'aller ? Vous pouvez laisser vos objets de valeur ici. Attire des voyageurs de tout Azeroth. Besoin de quelque chose ? Il y a de nombreuses auberges. N'hésitez pas à repasser. J'ai passé beaucoup de temps ici à écouter les histoires des voyageurs, surtout ceux des royaumes de l'Est. Hey, salut ma belle. Tu dois en avoir assez de rester ici toute la journée. Je sais ce que tu ressens. Nous irons bientôt faire un tour, je te le promets. Elle est magnifique, n'est-ce pas ? Cyrus me l'a offerte quand elle n'était qu'un bébé. Nous atteindrons un trou, vous sentirez vite chez vous. À présent, allons voir Cyrus. Le bureau du maître de port est par ici. Une minute. Que se passe-t-il ? Repos ! Vous voyez pas qui c'est ? Mais, monsieur, Dame Corsandre a ordonné... Dame Corsandre ? Vous êtes au service de Corsandre ? Ce sont ses armoiries sur votre bouclier ? Non, monsieur. Non. Vous servez Kul Tiras. Vous portez les armoiries des Port-Vaillants. Et vous suivez mes ordres. Alors, baissez vos armes et faites place. Nous allons discuter dans mon bureau. À vos ordres. Laissez-les passer. Roi Grise-Tête, c'est un honneur. Je vous donne la permission de rester dans le port. Taelia, préparez un rapport complet pour nos invités. À vos ordres. Ensemble, nous pouvons unifier Kul Tiras. Bien le bonjour pour Kul Tiras. Catherine Port-Vaillant nous a tourné le dos et a banni sa propre fille pour traîtrise. Pourquoi nous aideriez-vous ? Pouvez-vous souffrir d'écouter l'histoire d'un vieux chevalier ? Il y a des années, je livrais bataille pendant la Deuxième Guerre, je crois. J'ai du mal à tenir les côtes. Un mastodonte a attaqué notre transport. Des éclats du plat-bord ont volé à travers le pont et transpercé un des amis. Il aurait dû être démobilisé pour soigner ses blessures, mais il a refusé de partir avant qu'on ait remporté le combat. Il s'est rafistolé comme il a pu et il a menti aux soigneurs. Quelques jours plus tard, il s'est réveillé en hurlant, trempé de sueur. L'infection avait atteint ses organes vitaux. Ne baissez jamais votre garde. Quand il a demandé de l'aide, c'était trop tard. Kul Tiras est encore meurtri par la Troisième Guerre. Et Catherine Port-Vaillant le sait mieux que personne. Mais elle se fourvoie. Ses conseillers se sont gardés de lui dire que l'infection s'était propagée à tout notre royaume.
Cet air que j'aime tant agonise. C'est pourquoi nous avons autant besoin de l'Alliance que vous avez besoin de nous. Je vois. Nous devons lui faire accepter cette vérité que j'ai moi-même découverte au prix de lourds sacrifices. L'union fait la force. Enfin un peu d'action. Au revoir. J'ai vu assez de guerre pour nous deux. Rampez ! Bons vents et marées. Salutations. Que la journée soit bonne. Situation est prêt. J'ai toujours rêvé d'aventure. Gardez le cap. Kul Tiras s'est organisé en plusieurs grandes maisons. Elle faisait fond commun sous le commandement de Dailin Port-Vaillant, mais cela a changé après sa défaite à Terramor. C'est l'amiral suprême Catherine Port-Vaillant qui a pris sa place à la tête de l'armée et de la garde. Malgré nos efforts pour maintenir l'ordre, Kul Tiras subit une hausse des crimes, de la corruption et de la piraterie. Les gens perdent confiance en la famille Port-Vaillant. À l'est se trouve Drustvar, une région montagneuse fournissant l'essentiel du minerai du royaume et certains de nos guerriers les plus aguerris. La maison Malvois est depuis des siècles un fervent soutien des Port-Vaillants, mais leurs récentes absences aux réunions du Conseil ont donné cours à des rumeurs. Dans la vallée Chantorage, au nord, les augures de la famille Chantorage construisent et bénissent les navires de notre flotte légendaire. Mais la flotte n'a plus donné de nouvelles depuis des mois. Les augures se sont retirés dans leur cloître et semblent se désintéresser du sort de nos navires disparus. Nous devons réunifier les maisons sous la bannière des Port-Vaillants et localiser la flotte. Sinon, Kul Tiras s'effondrera avant même le début de la guerre. Vous aider? Le devoir nous appelle. Je me suis entraînée toute ma vie pour ça. Pour Kul Tiras. L'Alliance nous a rendu un grand service. Je lui en serai éternellement reconnaissant. Commencez à faire parler de vous. À notre prochaine rencontre. Soit l'amiral suprême. Bonne traversée. Alors comme ça, vous allez en Drustvar. Vous avez de la veine que je sois à la barre. La plupart des passeurs refusent d'y jeter l'ancre, avec toutes ces horribles rumeurs qui circulent.
Il n'y a pas si longtemps, on avait plein de marchands sur ce bac qui s'approvisionnaient chez les fermiers et les mineurs là-bas. Et depuis récemment, les mines semblent à sec. Et les bouchers ont tout bonnement disparu. Je suis pas du genre superstitieux, mais je dois dire que ce qui se passe en Drostvar me fiche une sacrée frousse. Je ne sais pas ce que vous devez y faire, mais je vous conseille de le faire vite. On va mouiller un peu plus loin. Le port du Désosseur n'est pas très fréquentable en ce moment. La dernière fois que j'y ai jeté l'ancre, un loup a failli me dévorer la jambe. Nous y voilà ! Et j'irai pas plus loin. Bonne chance! Si vous avez des dieux, j'espère qu'ils vous protégeront. Notre pauvre petit village a perdu toute vie. Tous les habitants sont figés. Oui, ça va être le meilleur goûter de ma vie. Allons chercher les autres invités. Ces animaux des toutous. Monsieur Mange-tout, tu avais faim? Viens avec moi, on va prendre le goûter. Méchant mère Strix, toujours à fuir tes responsabilités envers les habitants. Tune Poutou adore les bois. On doit s'assurer que les toutous ne l'ont pas croqué.
dois d'abord choisir une cible. La ferme de Sam était bien tenue. Il prenait soin de ses animaux. Des bois, il n'est jamais revenu. Marie nous a abandonnés au profit de forces diaboliques. Elle a goûté la mort au village et rendu les bois maléfiques. Thank you.
Monsieur Hayes était d'une infinie douceur. Quel dommage que les sorcières... Les êtres sombres... Mêlez-vous de vos affaires, et je serai... Mais du mal, elle s'est tenue éloignée. Personne ne sera le malheur s'abat sur ses sorties. Qu'elle se retrouve. On se dépêche. On va être en retard pour le goûter. Par ici. Ça va être le meilleur goûter de ma vie. Super, gentil toutou. Tu ne voudrais quand même pas que les invités partent les ventres vides. Ou pire, à jamais. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Quel bon vent vous amène? Les plus paresseuses poussent. Merci infiniment. Et maintenant, je vais partir aussi loin que possible de ces lieux. Et je vous invite à faire la même chose. Bonne chance.